Coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une chasse à l'habitant, mais un petit peu spéciale, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo. On va faire un défi à deux. Alors à la base, ça devait être Mathéo, mais il m'a lâché. Et oui, c'est le week-end, il joue. Donc du coup, c'est Doudou qui le remplace pour faire une chasse à l'habitant à l'aveugle. Voilà. Donc en gros, j'ai 30 tickets sur moi. Et donc Doudou va aller vers les habitants. Donc sur les îles, il va me dire quelle sorte d'habitant c'est, comment dire, par exemple si c'est un poulet, si c'est un canard, etc. L'espèce. Voilà, l'espèce. Et du coup, si jamais, avec la voix, il va lui parler, avec la voix, etc., je vais essayer de deviner qui c'est, il va peut-être me donner des indices, parce que des fois les voix, à part les versatiles, sinon il me semble que, voilà, je vais avoir du mal à trouver. Et je vais devoir, à l'aveugle, choisir un habitant. Voilà, du coup, je vais, par exemple, s'il tombe sur un canard et que la voix, ça me fait penser à ketchup, et ben, avant de savoir si c'est réellement ketchup, je vais dire si je le prends ou je le prends pas. J'ai suivi ce qu'avait dit quelqu'un en commentaire, on m'avait demandé d'enlever les de vider les caches. Enfin, on m'a dit qu'en vidant les caches, apparemment, on avait moins de doublons ou plus de personnes qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Donc du coup, j'ai testé, effectivement, je n'ai pas perdu mon île, je suis soulagée, et on va voir si ça fonctionne, parce que là, du coup, on n'a que 30 tickets. Bon, allez, c'est parti, let's go. Donc voilà, on apparaît sur la... Hein? Mais pourquoi tu reparles? Parce que je n'ai pas fait exprès. Bon, donc... Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'arrêtes pas de lui parler? Je veux pas partir, on va voir qui c'est. Attends, je suis... B. Alors, il a l'habitude de jouer sur PS4, du coup, les boutons sont inversés, donc il fait n'importe quoi. Donc là, on apparaît sur la première île, et donc sur la première île, Doudou va aller voir qui s'y trouve. Donc là, j'ai les yeux fermés, hein. J'ai pas mis de truc devant, tout simplement parce que bah, déjà, j'ai des lunettes. Ah, bon, déjà, c'est une fille. C'est quel animal? Moi, je dirais un mouton. Ah, un mouton. Bon, déjà, c'est niette, je ne le prendrai pas. Et donne-moi un autre indice, parce qu'un mouton, une voix douce... Elle est plus... Carène. Enfin, ça fait plus marine, on va dire. Plus marine. Hélène? Non. Carène? Non. Betty? Non. C'est quoi comme mouton? Bon, non, je prends pas. Bon, je sais qui c'est. Ah, Bérénice. Ouais, c'est un mouton. Bon, c'est pas grave. Ok, ça risque d'être compliqué, je pense. Alors, nous voici sur la deuxième île. Donc, Doudou va nous amener au personnage et va me dire qui c'est, enfin, ce que c'est comme animal. Qu'est-ce que c'est? Attends, je prends une perche ou je traverse la ville. Ah, bah dis-moi ce que c'est quand même comme animal. Avant de lui parler. Fourmilier. Oh, quelle horreur! Non, tout le monde sait que je déteste les fourmiliers. Vas-y, va voir quand même lui parler. Oh, c'est une fille. Tarina. C'est ça. Je déteste les fourmiliers, c'est pas possible. Allez, on repart, on repart. Île suivante. On va continuer la chasse avec Petit Miro. Voilà, alors je sais pas si je suis dans le cadrage, c'est pas grave, on va dire que oui, normalement c'est bon. Donc là, c'est Petit Miro en peluche que ma maman et ma tata m'ont offert pour mon anniversaire. Hein. Je pense que je saoule tellement tout le monde avec Miro que du coup, voilà, on m'a offert la peluche. Et Miro, bah, j'ai eu de la chance, donc du coup, on va le prendre, on va voir si on a de la chance avec Miro. Bah, dis-moi quel animal c'est, parce que juste la voix, c'est pas possible. C'est quoi, là? Oh non, pas Melba. Oh, non, 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 c'est pas Melba. Alice? Non. Non, c'est pas Colala. Calypso? Non. Coaline? Non. C'est Colala? Oui. Oh non! Oh mais non, en fait, je ne veux pas du tout de Colala. Hein. Donc nous voici sur la quatrième île, si je dis pas de bêtises. Et si tu veux me dire l'animal en avance. Moi, c'est un hamster. Alors, un hamster, d'accord. Bon, déjà, je ne le prendrai pas, hein, parce que je ne veux pas d'un hamster. Alors, Jojo. Je reconnais la voix du petit Jojo. C'est un de mes préférés dans les hamsters, donc du coup, ça va. Bon, cinquième île. Miro, s'il te plaît, porte une chance.
Quand tu vois l'animal, tu me dis déjà ce que c'est. Ouais, je sais, je vois, mais je sais plus c'est quoi sur. Bon, je dirais un élan, il y a peut-être des hiboux. Ah, c'est Abraham. Un élan, il y a que. Ouais, ça fait partie serbiche. Enfin, c'est dans la catégorie serbiche. Ah mince, bah du coup non, je le prends pas. Vous le savez maintenant, je suis à la recherche. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais vous le savez maintenant, je suis à la recherche de Léa ou Ketchup. Ketchup de préférence, puisque j'ai une place déjà attitrée pour elle. Et voilà, donc de préférence Léa ou Ketchup. Après, Abraham est quand même très 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 mignon. On va pas le prendre, puisqu'en plus de ça, je suis censée dire avant si je prends ou je ne prends pas. Ah, comment ça s'appelle Léa, ce truc-là ? Antilope. Ouais. Serbiche. C'est dans la catégorie serbiche. Ah, d'accord. Bon, là, tu m'as dit une antilope. Alors, déjà, je me doute que ça peut être Stéphane, ça peut être. Tu peux lui parler quand même. Oui, tu peux lui parler. Bah, déjà, il faudrait que tu lui parles pour savoir. C'est Stéphane. Est-ce qu'il est marron clair ? Non, ou donne-moi des indices. Il a les pointes des oreilles noires. Ah, c'est John peut-être. Il a les cornes de deux jaunes différents. Non, c'est Stéphane. Mais Stéphane, il n'a pas les pointes des oreilles. Bon, de tous les cas, c'est non. Et je dirais Stéphane quand même. C'est ça. Bon, il est mignon. Ah, je savais pas qu'il avait les oreilles, le bout des, la pointe des oreilles noires. Bon. Il est quand même super choupi, Abraham et Stéphane. Là, j'ai de la chance pour le coup. Île suivante, 7e île. Allez, un petit canard, un petit ourson, un petit canard, un petit ourson. Bon, il n'y a personne sur cette île, apparemment. Ah. Alors, ça fait partie des oiseaux. Oh, pff, j'aime pas les oiseaux. Donc, déjà, c'est non, je ne prendrai pas. T'es sûr que c'est un oiseau, pas un canard ? J'ai reconnu un bec de canard. Mais... Ah, d'accord. Bon, à quoi il ressemble ? Il est marron. Pec. C'est ça. Ouais, bon, on l'a tout le temps, donc du coup, pas trop de surprises. 8e île, je crois. Ça. Pourquoi tu rigoles ? C'est un moche ? C'est quel animal ? C'est un oiseau. Encore ? Enfin, un poulet. Oh non, bon déjà du sûr je prends pas, j'aime pas les poulets. Pouli. Non. Il est jaune. Jaune wolfram. Non. Hubert. Non. Non. Je donne ma langue au chat mais j'en veux pas. C'est Herbert. Ah bah j'y étais presque Hubert, il n'y a pas d'Hubert, c'est Herbert. Ben, moi je sais pas. Hein. 9e île. Mais pourquoi tu me le dis pas quand tu le vois ? Il est pas caché à l'autre bout de la forêt ? Non. Vache. Oh. Ah, c'est un taureau. Ouais, un taureau, oui. Taureau. Flèche ? Non. Angus ? Non. Ah bah attends, déjà, avant de dire non, je ne prends pas, c'est un taureau, bien évidemment. Y a qui ? Stekos ? Non. Toto ? Oui. Oui, dans tous les cas, je ne prends pas de taureau. Hein. Île suivante. 10e île, on est à un tiers des îles, des tickets, pardon. Et pour les un tiers, on va peut-être avoir quelques... C'est un fourmilier. Non, sérieux ? Je crois qu'il sait, je veux savoir qui c'est. Ah, oh, c'est que c'est Blair. Non, c'est pas Blair. Qu'est-ce que c'est comme fourmilier ? Annabelle. Non. Quelle couleur ? Aide-moi. Rose. Tarina ? Oui. Encore ? Non, mais c'est une blague ! Non, s'il te plaît, Panda, c'est Miron à maman. Un écureuil. Ah, déjà, on est sûr du mieux. Vas-y, dis-moi les couleurs. Violet. Électro. Je prends pas. Oui. Donc, on a plus petit bébé Miro, on l'a reposé parce que bébé Panda croit que c'est un doudou pour lui. Donc, comme j'ai pas envie qu'il me le mange, on l'a reposé, mais on espère qu'il nous portera chance de là-haut. Je ne connais pas aussi. Enfin, j'ai déjà vu, mais je sais plus son nom. C'est un espèce de cerf. Ok. Ok. Ouais, cerf et élan, quoi, on va dire. Bah, donne-moi d'autres indices. Il est marron. Abraham ? Ouais. Bah, tu le connais ? Bah, ouais, mais je on l'a vu tout à l'heure. Je pensais pas que c'était lui. Bon, on est sur la 12e. C'est possible, c'est un fait. Je ne sais pas. Je sais pas, j'ai pas compté. J'irai 12e île, mais sans certitude.
Mais tu m'as pas dit que tu n'avais pas dit à étage? Ben, j'ai pas dit à étage. Ah ben là, il y en a eu d'étage. Oui, mais moi. Mon animal n'est pas censé. Ah. Je crois que l'habitant n'est pas censé être ah ben à l'étage. Là, ah non, c'est bon, j'ai dit un bug. C'est un écureuil. Ah, encore. D'accord. Donc là, ça m'intéresse un peu plus quand même. Il est marron. Noir, comment? Alors. Parle-lui voir. Ah! C'est cachou. Non, je prends pas. C'est cachou. Ah, tu veux savoir, mais je prends pas. Réponds-moi. Ah, mais... Allez. Oui, c'est cachou. Ok. Alors, elle est très belle, cachou, mais je l'ai déjà eue. Donc, voilà. Je vais pas la prendre. Bon, on est sur la 13e île. Combien il reste de tickets? 16. Ah non, 14e île. Et on a comme personnage... Attends, c'est quoi ce truc-là? Attends, je le vois, mais je le vois de plus près. C'est une vache. Ok. Elle est sabot bleu. Parle-lui voir. D'autres petits détails, parce que... Bon, déjà, je ne prends pas, c'est certain. Enfin, le phare à joues, là, orange, je sais pas quoi, là. Ouais, c'est ça. Margot? Non. Valé? Non. Norma? Oh, peut-être. Ouais. Ouais, bon, en Norma, je compte plus le nombre de fois où je suis tombée dessus. Hein. Île suivante. On est sur la 15e île. Et il ne veut pas avancer. J'ignore. Oh, bah déjà, j'en veux pas. Il a les gros yeux. Mais. Ah, Cornio. Ah, j'avais pas une petite question là-dessus. Cornio. C'est Cornio. Les gros yeux. Tu vois que c'est un détail que j'ai trouvé. Ouais. Cornio est trop chou. J'aime beaucoup, mais non. Île suivante. Donc là, on doit être au 16e ticket. 16e île. Alors, j'ai vu que c'était rose. Ah bah, merci. Il fallait tout me dire, sauf la couleur. Oh bah, c'est mignon, tout ça. Hein, oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est tout beau, ça. Ouais, c'est non, bien. Mais quand tu dis ça comme ça, ça veut dire que c'est ironique. Un ours. C'est Vladimir. Attends, parle-lui. Un ours ou un ourson? Non, ours. Ah non, bah non, ça peut pas être Vladimir. C'est Ursula. Non. Bon, déjà, ours, je ne prends pas. Rosine. C'est ça. Oui, donc, oui, non. Je ne prends pas. Alors, qui avons-nous sur cette île? Je t'écoute. Un rhino. Oh, encore? Ouais. Et sa crinière, elle est... Enfin, ses poils de derrière, ils sont plus foncés. Ses poils de derrière? Oui. Bon, parle-lui voir. Ses poils de derrière, ses cheveux, tu veux dire? Ouais, ses cheveux. Bon, c'est un garçon. Ben? Non. Rhino? Non. C'est un garçon? Oui. C'est encore... ben non, Cornio? Mais si c'est encore Cornio? Non, c'est abusé! Bon, je ne sais plus du tout à combien d'îles on est. Alors, c'est un... lion. Oh non! Non, non, non. Je m'en fous, peu importe, Hercule, Léo, Léopold. Je non, m'en fous. Je vais y parler, mais je peux pas. Il tourne toujours la tête et puis... Léo. Non. Hercule. Non. Elvis. Non. Léopold. Non. Il a les cheveux verts. Ah, Léonard. Non. Hein? Non. Mais si. Non. Ah non, c'est pas Léonard, les cheveux verts? Non. Je sais pas. Leandro, ouais, ah, c'est pareil. Bon, 19e île. Un oiseau. Oh, ben, un oiseau ou un canard? Ben, c'est une sorte d'oiseau, c'est pas... Une autruche? Non. Hein? Non, c'est pas une autruche. Il y a des autres sortes d'oiseaux dans Animal Crossing. Alors, c'est vert. Il y a du vert dessus, du jaune, du noir. Et le bout de la queue est marron. Il y a qui? Il y a Maréchal et Jacob. Parle voir. Maréchal? C'est un versatile déjà? Non. Ben, c'est pas Jacob. Jacob, c'est pas un versatile. Je sais pas qui c'est. De toute façon, je prends pas. C'est qui? C'est Greguet. Mais non, ça c'est un aigle. Ben, c'est un oiseau. Je sais pas si j'avais le droit de dire aigle ou pas.
Bah, c'est la catégorie des aigles. Bah, je savais pas, moi, mais tu m'expliques pas tout, si. Bon, Grégé, je tombe pas tout le temps dessus, donc ça va. Île suivante. Bon, je crois que je me suis trompée tout à l'heure. En fait, il reste 11 tickets. Non, plus que 10 maintenant. Là, c'est donc la 19e île, maintenant. Et sur la 19e île, on a... Ouais, mais si je dis, c'est trop facile. Hein? Ouais. Bah oui, mais la catégorie de l'animal. Bah, la catégorie, si je dis, c'est trop facile. Bah, comment veux-tu que je trouve, sinon? Mais la... Je peux pas. Mais la catégorie, non, il y a plusieurs animaux dans chaque catégorie. Non, celui-là, il n'y en a qu'un seul. Hein. Bon, je sais que si je le dis là, je vais dire quelque chose, tu vas me tuer. Non, alors attends. C'est... Il pourrait me plaire, du coup. Oh non. Ah bon. Bon. Bah, je pense pas. Est-ce que c'est un ourson? Non. Est-ce que c'est un canard? Non. Est-ce que c'est un oiseau? Non. Est-ce que c'est une vache, un taureau, non. Un crocodile? Non. Un éléphant? Non. Un mammouth? Non. Bon, vas-y, accouche, c'est quoi comme animal? Ça a des tentacules. C'est, un... bah, c'est des poulpes, mais il y en a trois de poulpes. Mais, oui, mais c'est trop facile, t'en as trois. C'est... Oh, bah, ça va être celui-là, celui-là ou celui-là. Bah oui. Oui, mais t'es pas censé me dire lequel c'est. Donc parle-lui, que j'écoute sa voix. Ah. C'est Marina. Oui, bah, c'est normal, c'est une nana. Le problème, c'est que je sais pas si je voulais pas la prendre. À chaque fois, j'hésite, mais quand je la vois pour de vrai, je la veux plus. Mais tout le monde dit qu'elle est chou. Je ne pas, mais tu fais ce que tu veux. Ben non, parce que j'ai dit que c'était à l'aveugle, donc non. Bon, cette fois, on est sur la 20e île. Donc, ma mère a eu de la chance à partir de la 20e île avec, en enlevant les caches. Donc, j'espère avoir autant de chance qu'elle, puisqu'elle a quand même réussi à avoir Molly. Donc, bon, je l'ai, mais elle est quand même trop chou et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Et là, on a... C'est un cochon. Pff, c'est une blague. Vas-y, donne-moi des indices dessus. Elle a qu'un tire-bouchon déjà. Bah, pff, oui, ok. Le personnage a des gros yeux. Ouais. Camille. Ah non, il y a Lucie aussi qui a des gros yeux. Elle a des cheveux. Elle est un béret, donc j'en sais rien. Moi. Bon, de toute façon, c'est non, Camille. J'ai dit oui. Bon, elle est chou, hein, Camille, mais je la veux pas. Donc, île suivante. Bon, il me reste 9 îles à visiter avec celle-ci. Donc, en fait, là, je vais arrêter de faire ma difficile et je vais prendre... si je trouve quelqu'un de que j'aime bien. Alors, on fait là-bas. Alors. Ça fait partie des trucs, là, des séries. D'accord. Vas-y, d'autres indices, du coup. Ça décore. C'est pas une chèvre, hein? Non, non, non. C'est cerbiche, on est bien d'accord. Cerbiche. Ok, donc déjà il a des cornes, donc c'est pas une biche, c'est un cerf. D'autres indices? Oh non, c'est Stéphane? Non, c'est pas lui. Ah, bon, de toute façon je le prends pas. C'est pas Abraham? Non. C'est Abraham? C'est Abraham? Bah, ça brame, oui, bien sûr. C'est... Non, mais c'est une blague! Un triplé en moins de 30 tickets! Bon, il me reste plus que 8 tickets. Qu'est-ce que tu dis? J'ai plus le droit de respirer. Mais si, t'as le droit de respirer. Je sais pas, donc je respire un peu pour. Plus que 8 tickets, j'aurais peut-être dû prendre Abraham. Bon, allez, concentre-toi. C'est l'habitant qui va venir sur mon île, s'il te plaît. Bon, je pense que ce sera la première et la dernière fois. C'est un oiseau. Oh non! Qui fait partie de la catégorie des canards. C'est vrai, c'est un canard. C'est un canard, c'est vrai. C'est mon maillot, ça. Pardon, c'est vrai, c'est un canard. Bah oui, c'est vrai, c'est un canard. Vas-y, va lui parler. Oui, j'y vais. C'est pas vrai, lâchez mon épaule. S'il te plaît. Oh, c'est une fille. Donne-moi des indices. Elle a des grands yeux. Elle a les cheveux orange, on va dire. Hein? Ouais, ça fait un peu orange, le rapport, je sais pas si c'est avec le chapeau ou pas. Marron, non, peut-être plus marron clair. Hein? C'est quoi comme canard? Elle est blanche. Ah, oh, c'est Pompon. Bah, qu'est-ce que t'as? Mais je la veux pas! Bah, ouais, ça va. Mais je suis jamais tombée dessus, alors non. Et puis, je te permets pas de me frapper comme tu l'as fait. Mais là, du coup, tu m'en as trop dit. Parce que blanche, cheveux orange, il y avait que Pompon.
Alors, soit je t'en dis pas assez, soit je t'en dis trop, mais bon, t'es un peu difficile, toi. Comme ceci dit, je suis super contente parce que Pompon, je l'ai encore jamais vu. C'est la première fois que je la vois, même si c'était à l'aveugle. Du coup, je l'ai pas vraiment vu parce que t'es parti tout de suite, mais c'est la première fois que je tombe dessus, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, je suis trop triste, quoi. J'aime bien Terrine, Mallory et Ketchup en canard. Et je tombe sur Pompon. Bon, il pleut tout le temps, de toute façon, sur mon île. Et en plus, j'ai jamais de chance quand il pleut sur une chasse à l'habitant. Donc, tout le monde le sait maintenant, c'est plus une nouveauté. Ouais. C'était quoi? Bah, dis-moi! Ah, oh, peut-être une vache, peut-être un taureau, je ne sais pas. Non, c'est une vache ou un taureau? Oui. Non. Dis-moi ce que c'est. Bah, donne-moi des indices, quoi. Un peu stylo orange. Bon, c'est un taureau. Ah non, Marco! Je sais pas, attends, j'ai pas parlé. C'est possible que ce soit une fille parce que les yeux, c'est pas les yeux d'un gars. Ah non, c'est un gars. Ah ouais, c'est un gars. Angus? Je dis oui. T'en veux pas? Bah non, bah je l'ai pas précisé, mais je veux pas de taureau ni de vache en fait. Bon, là il me reste plus que 5 tickets après celui-là, donc 6 îles en tout. Et si je trouve personne, je vais être obligée de prendre le tout dernier. Donc, comment vous dire que là je stresse un peu? C'est pas grave, au pire, je rappellerai Marty. C'est un félin. C'est un chat donc. Un chat ou un tigre? Un félin. Allez, dire. Mais... Alors, choisis chat ou tigre? Un chat, tant qu'à faire. Eh ben, je dis non. C'est un tigre? Ah oui. Oh non, mais j'ai pas de chance. Vas-y, c'est quoi comme tigre? Je dirais une fille. Bon, je sais pas, je le connais pas. Donc... Bah, Bengale? Non, c'est pas Bengale. Noémie? Non. Hein? Y a quoi comme tigre qui ressemble à une fille ou à un garçon? Non, non, c'est une fille, c'est une fille, c'est tout. Mais oui, mais du coup, en tigre, il y a Bengale, Noémie et puis Vanina. Bah, c'est qui, tu dis, là? Bah, je t'ai dit les deux, tu m'as dit non. Bah, alors, c'est qui, c'est Vanina? Oui, c'est ça. Comment tu peux confondre avec un garçon, s'il te plaît? Elle est rose. Bon, il me reste plus que 5 îles avec celle-ci. Donc, comment vous dire que là, je stresse un petit peu? Il y a les cheveux marrons. Non, mais vas-y, ours, c'est Eustache. Il y a une moustache. Ah non. Je sais pas. Je m'en fous. C'est vert. Ah, c'est Nathan? Mais il est pas marron, il a les yeux verts, les sourcils verts. Les cheveux marrons, et le corps vert. Je sais pas, je m'en fiche en fait. Je suis déprimée. Bah, tu peux vous dire, je t'en fiche. Ah, c'est Zabou, c'est une fille. Bah non, île suivante. C'est un quoi? Mais dis-moi! C'est un quoi là? Il est gris. Oh, c'est Coco. Ah non, c'est Gonzo. J'en veux pas. C'est Gonzo? Oui. Donc voilà, après ce ticket, il me restera plus que 2 tickets. Donc en gros, j'ai plus que 3 chances avec celle-là. Voilà. Je suis complètement déprimée, complètement anéantie. Ça a des grandes oreilles. C'est un lapin? Et c'est quoi comme lapin? Un homme. Oh mon dieu, c'est un versatile. Alors non, je ne le prendrai pas et... Il fronce. C'est Claude? Non. L'intérieur des oreilles bleues. Donne-moi la couleur des lapins, tu peux. Jaune. Gaston. Île suivante, avant-dernier ticket. Ça pourrait ne pas être un trop moche, franchement ça m'arrangerait, hein, mais chouchou, ce serait encore mieux, et c'est... C'est quoi? Un taureau. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai, je vais pas te mentir, hein. Ça me sert à quoi de te mentir. C'était Kos. Quelle couleur? C'était Kos. Non. Ah non, c'était cool, c'est un mec. Bah, ça c'est pas. C'est un garçon, ça aussi. Ah bon? Oui. Ah oui. Oui. C'est quoi? Vas-y, on s'en fiche. Il est bleu. Ah bah, c'est. Comment il s'appelle? Arnaud. Non. Bah, si tout dans bleu, toute une lettre, ça fait quoi? Non.
Bubu. Ah oui, c'est Bubu. Ouais, bon, c'est moyen. Mais non, 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 non. Dernier ticket. Bon, voilà, on arrive sur la dernière île. Dernier ticket, tu vas quand même vérifier avant de partir, s'il te plaît. Il n'y a plus de ticket. Ok, donc là, ça veut dire très clairement que je suis obligée de prendre l'animal, le personnage, l'habitant qui se trouve sur cette île. Et je sais pas pourquoi, je sens que je veux pas avoir de chance. Et il rigole, donc voilà, je confirme. Alors, tu vas pas me dire quelle race d'animal c'est pour l'instant, tu vas juste me faire écouter la voix, s'il te plaît. Bon, déjà, c'est pas un versatile. Je pense que je vais faire intervenir Marty très vite et que les prochaines vidéos seront des chasses à l'habitant. Hein, je vous préviens d'office. Vas-y, donne-moi le nom de l'animal, enfin la race de l'animal, l'espèce. Ça rentre dans les chevaux. Non, oh, non, c'est un zèbre, c'est Savannah. Faut que je c'est ça, je c'est ça, dis-moi. C'est ça, c'est non, Savannah. Faut que j'en aille. C'est Savannah. Tu veux casser les doigts. Est-ce que c'est Savannah? Non. Non. Vous avez tous remarqué qu'elle m'agresse. Non. Non, je suis trop dégoûtée. Pas Savannah. Bon, bah, on va aller lui parler. On va lui dire de venir sur notre île. Bon, bah écoutez, c'est parti. Voilà, j'ai avancé d'une journée et on se retrouve devant la maison de Savannah. Comment vous dire que, voilà, c'est exactement ça, au secours. Surtout que je l'ai échangé contre Mounia. Donc, même sa maison, Savannah, je l'aime pas. Je suis trop déçue. Alors, attention, hein, Savannah, elle est pas moche, hein, c'est juste que par rapport à mon île, c'est pas du tout, du tout, du tout ce que je veux. Et même l'intérieur de sa maison n'est pas du tout ce que je voulais. Bon. Oui, donc là, très clairement, je vous annonce déjà les prochaines vidéos. Je vais faire venir Marty pour remplacer Savannah. Ou je triche pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, là, si vous voulez, j'ai Linette à faire partir et Savannah. Parce que elles ne vont pas dans mon île. Enfin, elles ne vont pas sur mon île. Donc voilà, Linette et Savannah, je voudrais les enlever. On va enlever nos têtes, voilà, histoire de voir tous mes habitants. Donc, je vais enlever Linette et Savannah. Donc, Linette, normalement, je peux la faire partir. Savannah, c'est la dernière arrivée. Donc, je ne vais pas pouvoir. Ouais, non, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pas tricher. Je vais essayer de pas faire venir Marty. Tant pis, elle est sur mon île, elle est là. Donc, je vais essayer d'avoir sa photo, tant qu'à faire. Je vais essayer de faire partir Linette et de refaire une chasse à l'habitant. Parce que là, clairement, il y en a deux personnages que je suis pas fan sur mon île. Donc, ça va pas le faire du tout. Donc, les prochaines vidéos risquent d'être des chasses à l'habitant. Je vous préviens tout de suite. Voilà. J'ai pas de chance. Donc la prochaine chasse à l'habitant, je le ferai en espèce de petit défi aussi, mais cette fois ce sera pas un défi à l'aveugle parce que clairement ça me porte pas chance. Par contre, je vais essayer de faire un défi chasse à l'habitant en 50 tickets max, et si jamais je ne trouve pas, et ben je serai obligée de prendre le 50e ticket. Ça m'apprendra à être un peu moins gourmande, puisque là très clairement pour Savannah, j'aurais pris Abraham, j'aurais été beaucoup plus contente que Savannah. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme je vous l'ai dit, sûrement pour une chasse à l'habitant. Voilà, bisous bisous.